l'hôpital de Valenciennes, j'ai été impliqué avec toutes mes équipes dans la gestion de la crise Covid. Subitement, plein de patients qui arrivent, qui nécessitent une prise en charge de réanimation lourde, de soins critiques, et donc transformer des lits qui ne sont pas faits pour ça en lits de réanimation. Cette montée en charge, on l'a gérée au jour le jour, on s'adaptait et on a sauvé des vies. On doit acheter du matériel et c'est pour ça que quand on a eu l'opportunité d'aller chercher des fonds, on n'a pas hésité. On a pu donc acheter des respirateurs pour pouvoir justement préparer la deuxième vague. Le système Anaconda, pour éviter justement d'utiliser des médicaments pour lesquels on était en pénurie pendant la crise. Et presque 200 personnes ont été formées en soins critiques. Sans toutes ces aides-là, on aurait sauvé moins de gens, tout simplement. À Madagascar, durant l'épidémie du coronavirus, les familles qui ont des petits commerces vivant dans les quartiers étaient touchées. Toutes les activités génératrices de revenus ont été suspendues. Donc, on est allé auprès des communautés et nous avons procédé à la distribution de coupons pour leur permettre de récupérer du matériel adapté à leur activité. Avec cette aide financière, la relance économique que nous avons menée à Antananarivo a pu couvrir 2900 familles. Un exemple assez fort, c'est celui de Rapol. Avoir le filtre à eau a attiré beaucoup plus de clients parce que c'est comme une garantie qu'ils utilisent de l'eau potable pour préparer ces jus de fruits. Les familles qui ont reçu les aides ont limité les risques de s'endetter et ont fait un pas en avant pour pouvoir changer leur avenir. Il y a des choses vitales pour tout un chacun. Il faut dormir, il faut se nourrir. Et pour moi, il faut faire de la musique. Je fais des choses assez variées, en fait. Les concerts, déjà. J'écris des arrangements. Je compose aussi. Tout ça, ça a été annulé. C'est un coup au moral, c'est un coup à la bonne humeur. Ça a eu un impact économique aussi, oui. On resserre sur ce qu'on peut faire et il y a un passage à vide, clair. Le pire, c'est quand ça commence à faire 6 mois, je pense. On ne sort plus, on se dénouille. Maintenant, est-ce que tu peux me refaire une ré, do, si, si, la? Encore la fin de la première partie, s'il te plaît. La bourse, elle m'a d'abord aidé à affronter ce passage à vide, mais pas seulement. J'ai pu avoir un piano chez moi et tourner des vidéos promotionnelles pour retrouver des concerts, discuter avec des programmateurs. Là, il y a eu vraiment un engagement de beaucoup de monde pour que tout ce qui nous reste continue. C'est vraiment l'année où vous deviez voyager. On a la chance de pouvoir répéter, donc c'est une grande opportunité. Le conservatoire nous soutient et vient nous proposer de demander ses bourses. Et sans cette bourse, il aurait fallu que je fasse quelque chose de beaucoup plus alimentaire pour financer tout ça. Un concert, il faut le préparer. Et du coup, là, j'ai pu prendre de l'avance grâce à cette bourse. Moi, je m'occupe de tout ce qui est banque alimentaire. Chaque jour, je vais faire la collecte le matin dans les magasins métro. J'essaye de récupérer tout ce qui est viande, des produits laitiers, tout ça. Je dépose les collectes chez Balichon. C'est une cuisine qui tourne justement pour ces associations et elle ne se permet pas de s'arrêter comme ça. Parce qu'il y a derrière, il y a des gens qui doivent manger. Et on distribue ça sous forme de barquettes individuelles. Au premier confinement, c'est là où on a senti les choses parce que métro a rétréci son stock. Et souvent, dans ces rayonnages, c'était vide. Et nous, on devait être présents. Quand on parle de partage, ça résume tout. Si quelqu'un qui a la faim, au lieu de jeter à la poubelle, on partage, cette chaleur-là donnera beaucoup de respect humain.
Seul, on peut sauver, mais tous, on peut avancer. In March, Romania entered in a lockdown. We had no tools to fight against COVID-19, and we didn't know nothing about this virus. At Timișoara Community Foundation, we raise funds and invest them back into the community. The biggest challenge for us was to increase the testing capacity in the region. And we decided to help Timișoara Hospital. With the financial help that we get, we managed to purchase one of the most performant PCR devices, and we managed to buy around 3,000 test kits to test the population. We didn't find to buy 10,000 visors around the world, so we decided to make it here locally. We used lots of 3D printers who do the elements of the visors. Ioana went from hospital to hospital to distribute 10,000 visors and face shields in the country. Hello, Petre. For the guys who are on the border, for example, or the fire station people, or for the policemen. The solidarity of our community was incredible. They fight together. Our main focus is education, and our motto is to educate, empower, and transform. In the month of March 2020, when the lockdown started, the husband and wife, they lost their jobs. And we could see people suffering right in front of our eyes with so many needs. Immediately, we started acting. We started working on various strategies as to how we can reach out to our beneficiaries. With the help of the Society General Solidarity Program, we could reach out to 6,500 beneficiaries, and we went and provided the grocery kits, the PPE kits, the nutrition kits. Wherever my presence is required, I go all out. So the main issue was food, of course. Every next meal was a struggle for them, and they were not worried about the hygiene aspects. The migrant laborers were moving to their hometown without food and water. So we had to provide them with nutrition kits. And garbage workers, they are the ones who go and clean. But again, their safety was becoming a big question. I want to bring hope, kindness, and good news to the people and tell them, go forward.